Alors, tu cherches peut-être à avoir ton calendrier Google synchronisé avec un logiciel de prise de rendez-vous en ligne. Comme ça, tu vas pouvoir mettre le embed sur ton site internet. Donc, c'est une vidéo que j'ai déjà faite, mais aujourd'hui, je vais te montrer comment tu vas pouvoir synchroniser ton calendrier Google avec justement cet outil. Parce que oui, effectivement, ce qui est intéressant avec la prise de rendez-vous en ligne, c'est que ça facilite grandement les choses. Et donc, on va voir ça en détail dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors, hello, moi c'est Kevin et aujourd'hui je vais t'expliquer comment faire en sorte d'avoir ton calendrier Google synchronisé avec un outil que je vais t'annoncer qui s'appelle Calendly. Donc, c'est un outil 100% gratuit que vas pouvoir d'abord intégrer sur ton site internet et puis relier ton calendrier à Calendly. Comme ça, quand les gens vont prendre rendez-vous en ligne, eh bien ils auront ton calendrier à jour et tu risques pas d'avoir des rendez-vous alors que à ce moment-là tu es peut-être parti en séance de sport ou que ce jour-là tu t'as décidé de pas travailler ou tout simplement aussi que tu es déjà full plein de rendez-vous cet après-midi-là. Donc ça évitera d'avoir des doublons, d'avoir des doubles rendez-vous. Comme ça au moins tout est synchronisé et tu es au courant de tout ce qui se passe. Allez, je te montre ça tout de suite sur Webflow. Donc comment déjà intégrer ça sur Webflow. Donc ça c'est le embed. Et puis sur Calendly même, allez choisir la petite option qui va faire en sorte que ça va être 100% synchronisé. Alors ici, on se retrouve sur mon Calendly, donc tu peux créer un calendrier 100% gratuit et que voilà, tu peux donc partager tout d'abord le lien tout simplement comme ça aux personnes donc par email ou quoi. Et ce calendrier-là, donc ici en fait, tu vas pouvoir déterminer que tel jour, tu es dispo ou pas dispo. Et puis s'il y a déjà un rendez-vous, eh bien, tu n'auras pas ce double rendez-vous qui est plutôt embêtant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est déjà intégrer le embed sur le site internet. Donc pour nous, on va faire ça ici sur Webflow. Donc on va choisir cette option-là. On va copier le code et aller sur Webflow. Donc sur Webflow, ce que je vais faire, c'est je vais prendre un exemple de base juste pour rendez-vous, juste pour te montrer ici et qu'on n'ait pas une page blanche, ce sera plus sympa à regarder. Donc ici, tu choisis sur ton projet Webflow la page sur laquelle tu veux ajouter ce embed Calendly. Donc imaginons on le met dans la page contact. Alors on va sur la page contact et ce qu'on va faire, c'est au lieu de mettre ce formulaire qui se trouve ici, on va aller l'enlever. Donc là, le formulaire, c'est tout cet élément-là. Tout cet élément-là, je l'enlève. Et on va y ajouter un autre élément qui est le embed de Webflow. Donc on va aller voir ici. Embed, c'est ceci, qui va nous permettre d'y ajouter le code Calendly que je viens de coller, que je viens de copier. Alors ici, je l'ajoute. Je fais publier parce que, en fait, comme il n'est pas encore publié, je ne sais pas voir. C'est du code JavaScript. Et du code JavaScript sur Webflow, je ne sais pas le voir ici en mode hors ligne. Donc je dois le publier et aller voir la version en ligne. Donc je me retrouve sur la version en ligne et j'ai mon calendrier qui est bien intégré. Et donc je vais pouvoir directement choisir une date et commencer à prendre commencer à prendre un rendez-vous. Donc, une fois que ça c'est fait, ok, ça c'est déjà une première chose, l'étape 1 est faite, ça veut dire que j'ai intégré Calendly sur mon site internet. La deuxième étape qui est quand même très importante, c'est de relier mon calendrier Google à Calendly. Et donc pour ce faire, tu vas sur Calendly, donc sur ton compte, tu vas aller voir ici sur le calendrier que tu auras prévu et organisé. Donc là, il y a un certain nombre d'options que tu vas pouvoir mettre en place. Et on va ici y ajouter. Donc là déjà tu vas pouvoir sélectionner les dates et les jours auxquels tu es libre donc où tu es dispo ou pas. Donc ça tu commences par faire ici. Et puis après, une fois que c'est fait, tu vas sur ton compte ici, Calendar Connections. Donc là, tu as différentes possibilités, mais tu vois que moi j'ai connecté mon calendrier Google. Et donc pour ce faire, donc imaginons je le déconnecte. Là, à partir de là, tout le monde peut prendre des rendez-vous et je risque d'avoir deux rendez-vous au même moment et donc c'est vraiment pas pratique. Donc là, ce que je fais tout simplement, c'est je clique connect, j'active la connexion, je fais autoriser
Et voici, je suis déjà connecté, et donc là, bien entendu, tu vas choisir le bon calendrier pour que tu lis bien tes rendez-vous avec Calendly. Donc tu peux avoir des plannings à côté sur Google, tu peux créer plusieurs catégories, comme moi, tu vois, je ne sais pas si tu as vu, mais j'avais pour les vacances, j'avais pour plusieurs éléments. Donc là, tu choisis le bon calendrier, tu le connectes, et à partir de ce moment-là, les gens, quand ils vont arriver sur ton site, et qui vont prendre une date, tu es sûr et certain que ça ne va pas être à la place ou en même temps qu'un autre rendez-vous. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc c'est une subtilité qui est quand même super intéressante parce que ça t'évitera des problèmes et d'avoir des doubles rendez-vous. Si tu as des questions, si tu n'y arrives pas, si tu n'arrives pas à mettre le embed ou que tu es un peu bloqué, n'hésite pas à laisser un commentaire juste en dessous, je me ferai un plaisir de t'aider. Et puis sinon, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je te dis ciao.